Le monde de la recherche vous attire ? Vous avez envie d'entamer un projet personnel et d'approfondir vos compétences scientifiques dans un travail épanouissant et passionnant ? Lancez-vous dans le doctorat et devenez l'auteur de votre carrière. Mais au fond, c'est quoi le doctorat ? Pour moi, le doctorat, c'est un métier et des études. C'est l'avenir, c'est l'étude des technologies de demain. Eh bien, le doctorat, pour moi, c'est l'opportunité de se consacrer à un sujet de recherche précis pendant plusieurs années. C'est l'opportunité de continuer à apprendre. Le doctorat, c'est avant tout un métier, celui de chercheur. Mais c'est également l'opportunité de devenir un spécialiste de son domaine scientifique. Mais comment arrive-t-on sur le chemin de la thèse ? Alors moi, ce qui m'a décidé à me lancer dans le doctorat, c'est de constater le plaisir que j'ai eu à faire mon travail de fin d'études. Et ça m'a donné une idée de ce que pouvait être le doctorat. J'ai eu l'opportunité de démarrer une thèse de doctorat à la création du pôle énergie de la faculté dans une thématique qui me tient à cœur, c'est la performance énergétique des bâtiments. Ce qui anime avant tout le chercheur, c'est la passion pour son domaine d'excellence. Alors ce que j'aime moi dans le métier de chercheur, c'est que je peux travailler sur un sujet qui m'intéresse vraiment moi personnellement. J'aime aussi la possibilité qu'on a d'interagir avec d'autres chercheurs, d'échanger des idées, de s'entraider. Et puis le fait qu'on peut conduire la recherche un peu comme on l'entend soi-même, c'est très agréable. Ce qui est quand même chouette, c'est qu'on vient approcher des technologies qui semblent un peu futuristes et que l'on tente de vraiment tout mettre en œuvre pour les rendre possibles. On est toujours en train d'apprendre des choses, de connaître des gens, de connaître les travaux de cette personne. Et on a aussi l'opportunité de voyager beaucoup. Le doctorat est aussi une occasion unique d'effectuer un travail de recherche en profondeur et de contribuer ainsi au développement scientifique de la société. La recherche est importante dans notre société parce qu'elle permet d'apporter à long mais à court terme également des réponses aux problèmes de la vie de tous les jours. Selon moi, la recherche est cruciale dans notre société actuelle. Déjà parce qu'on oublie trop souvent que les objets qui nous entourent et qui font partie de notre quotidien sont l'aboutissement de nombreuses années de recherche. Le doctorat à la FPMS vous permet de travailler dans le domaine des sciences appliquées. Les chercheurs fournissent ainsi des solutions concrètes à des problèmes de la société. Je travaille sur un projet de recherche qui est financé par la région Wallonne et qui a pour objectif de fournir des outils d'analyse vocale aux médecins. Ma passion, évidemment, c'est l'étude d'une nouvelle génération de robots qui tira directement une application dans l'exploration spatiale ou le sauvetage de victimes en zone sinistrée. Le but, c'est de pouvoir synthétiser des mouvements humains. Et donc les applications pour ça, ce serait des prothèses actives dans le domaine de la médecine et aussi tout ce qui est jeux vidéo ou films virtuels tridimensionnels. Les recherches peuvent parfois déboucher sur des brevets dont la propriété est partagée entre le chercheur, le service et la faculté. Mais quelle est l'activité du chercheur au jour le jour ? Le travail de doctorat au jour le jour, c'est un travail de fond dans un domaine précis, mais c'est également un travail de communication. C'est important de communiquer avec les personnes qui attendent les résultats de nos recherches, mais également avec les autres chercheurs pour partager nos points de vue. Eh bien, au jour le jour, mon activité est très variée. Je jongle en permanence avec trois domaines. Le domaine scientifique qui consiste en le traitement de la parole, le domaine académique pour lequel j'encadre des étudiants en cours et en projet, et le domaine de la représentation de la faculté où je participe à des salons et à des journées d'accueil d'étudiants. Être chercheur, c'est également saisir l'opportunité de développer ses compétences, la production d'articles, la participation à des colloques et les collaborations avec le monde du privé sont autant d'occasions pour le doctorant de s'affirmer dans son métier et de devenir un expert dans son domaine. Le doctorat m'apporte l'occasion d'avoir accès à beaucoup de connaissances, de me former à différentes choses et de rencontrer beaucoup de gens passionnants. Le doctorat me permet de développer une expérience dans un domaine précis, voire même de devenir experte dans la matière, et je pense que c'est un atout pour démarrer une carrière après le doctorat. Le doctorat m'a appris à aller au fond des choses. Les activités du doctorant s'articulent autour de trois axes qui lui permettent de se spécialiser dans son domaine, mais également d'approfondir d'autres compétences. La formation thématique, qui permet au chercheur de devenir un spécialiste de son domaine, de réaliser des expérimentations et d'obtenir les résultats de son projet. La formation transversale, qui assure d'acquérir des compétences primordiales comme la gestion du temps, la qualité de rédaction, la présentation orale ou la pratique des langues.
Enfin, la production scientifique, qui consiste en la publication des résultats obtenus sous forme d'articles dans des revues spécialisées, et la concrétisation de la recherche par la communication vers le public. Les écoles doctorales thématiques couvrent de nombreux domaines des sciences appliquées et assurent au doctorant une formation de qualité dans son domaine de pointe. Le doctorat est ponctué d'activités diverses qui amènent parfois à dépasser les frontières de l'Europe. Mon plus beau souvenir, ce sont les 15 jours que j'ai passés à Istanbul durant l'été 2007, pendant lesquels j'ai travaillé avec des chercheurs qui venaient de partout dans l'Europe sur l'analyse poussée du champ. Le doctorat est donc un vrai métier ? Le doctorat, c'est un vrai métier. C'est le métier de chercheur. Mais on a l'avantage qu'on a un diplôme à la fin. Oui, parce que j'ai un salaire, je continue à faire ce que j'aime et en plus, ça m'apportera un bonus dans mon avenir professionnel. Le doctorat est donc une aventure passionnante au bout de laquelle un diplôme du troisième cycle est délivré, conférant au chercheur le grade de docteur. Mais que se passe-t-il après la thèse de doctorat ? Dès demain, je commence un nouveau contrat de travail, je passe dans le privé. Je vais travailler chez Laborelec et je vais changer de domaine. Je passe du domaine de la fibre optique à l'énergie. Je vais faire des audits énergétiques pour la filiale Suez. Après la thèse, compte tenu de mon attrait pour la recherche, j'ai décidé de poursuivre dans cette voie et ça a été possible grâce au FNRS. Ensuite, j'espère prolonger cette carrière dans la recherche et ce sera possible grâce à différentes sources de financement telles que celui offert par la communauté française, le FNRS, la région Wallonne ou encore l'Union européenne. Les carrières des docteurs sont diverses et parfois inattendues, comme celle de Jean-Marc Godard qui a fondé sa société Decisium, qui commercialise un site informatique pour organiser des voyages sur mesure sur Internet. Après ma défense de thèse, j'ai bénéficié d'une aide de la région Wallonne, baptisée le First Spin-off, qui m'a permis de continuer mes travaux sur un plan plus appliqué et de déboucher ensuite sur la création de la société Decisium. Si le doctorat est un prérequis essentiel pour une carrière dans le monde de la recherche, il représente également un atout non négligeable dans les secteurs de pointe, où la recherche et développement est primordial. Dès aujourd'hui, visitez la partie doctorat du site web de la FPMS et parcourez nos guides du doctorant pour obtenir toutes les informations pratiques sur le métier de chercheur. Le doctorat, un pas de plus vers la connaissance de demain.